Parisiens qui vont même. Oh là là, la patate de foin d'Elohim Prandi. Là aussi, la passe est sublime et l'arrêt nouvelle de Bajnik. L'opportunité pour la Green Team de passer en tête avec Robichon qui fait l'effort face à Tonesset. Oh, superbe! Le but du capitaine Robichon. En Provence. Très bonne entrée de Mohab Abdelhak. Attention, attention. Ah non, non, pas de... Aïe, ah non, cheville non, pour Gibernon. Pour Damien Gibernon. Aïe, aïe, aïe. Regardez, avec la grosse faute. C'est, dans le dos, c'est dans le dos, ça suffit totalement. L'énorme faute de Camille Sibchak. Un lourd tribut tout au long de la saison, et le pauvre Damien qui sort. Regardez, là. Et alors ça il pousse et après c'est le pied, hein, le pied droit. Ça passe peut-être une. Peut-être. Sous pression, et voilà, il n'y a pas le choix, c'est récupéré, Sanad en échec. Décidément. Qui est souvent un baromètre, on le dit. L'arrêt de Léo Villain. Attends, oui, mais inquiétude pour Léo Villain. Avec le genou droit qui s'est bloqué. Ah non, non, non. Là aussi. Genou droit, non ? Genou droit ? J'avais on va voir si en allant chercher le ballon. Bah, non, c'est, je crois qu'il s'est bloqué sur ses appuis. Alors on voit le tir de Kondratsson avec Léo Villain qui se détend. Là, a priori, ça va. Là. Non, c'est en allant chercher le ballon. Oui, là. Aïe, 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 ouais, merci. Vincent pour la vie. Ah non, 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 non. Dès le ballon et se procurer une situation. Ouais, belle défense. À la limite. Deuxième ballon. Oh, à la limite encore. Avec Tonesen qui piétine. Oui, et Prandi. Et le poteau. Et pas de gardien. Et on va rester là. Oh, il faut. Ouais, il ne l'avait pas vu. Partout simplement. Rien ne sera simple aujourd'hui pour les Parisiens. Et les Limois vont peut-être réaliser une énorme sensation. Ça marque vite pour les Parisiens. Avec Eric Vincent, la mobilette Eric Vincent. Le but est la force. Oh, pourquoi avoir refusé ce but? Pourquoi avoir refusé ce but? Non mais pourquoi? Attendez, hein, parce que Madame Paradis avait même donné 9 mètres. Hein. 9 mètres 9 mètres la décision qui a été prise par ma... 9 mètres là-dessus oui. C'est complètement faux. Avec de la justesse technique. Et quelle qualité de la part des Nîmois. Quel visage proposé. Et quelle cartouche. Oh là, la stratosphérique, cet impact d'Eloïc voilà, Prandi, ça va dans tous les sens. Eric Felipe qui répond immédiatement. La tête sereine, il en faudra de la sérénité. Non, le ballon lâché avec Luke Steins, le visage très haut. Le repli est effectué. Kondratsson, attention, changement de direction. Steins est passé. Plus deux. Ça faisait une éternité. Gallego qui est très solide. L'équipe entière fait un bon travail. Bravo. Il ne se passe rien pour l'instant. Le jeu autour du pivot, ça ne suffira pas à Rémi Père. Oh, le changement de main incroyable, Rémi Père. Avec le talent. La fin de remise, le ballon gratté, l'opportunité pour les Nîmois, 4 contre 2 avec Eric Vincent qui est touché. Eric Vincent qui est touché. Oh, le ballon va être rendu. Oh là là, c'est le ballon parisien. C'est fou, c'est fou. C'est fou parce que si Eric Vincent se présente dans les pires conditions, c'est parce que la faute a été effectuée. Regardez, il est complètement déséquilibré. Il est même touché dans le dos. Attention, ils ne sont pas, pas d'accord. Non, ils ont changé d'avis, les arbitres. Oh là là, d'accord, on l'entend de manière très claire. Mais sincèrement, bon là, c'est le flou artistique. Eric Vincent qui est touché. Mais pas coulé, qui relève la tête et qui relance la machine nîmoise. Il reste 10 secondes, hein. Il reste 10 secondes en supériorité numérique. Les Nîmois qui vont devoir en profiter. Le retour de Ferran Solé. C'est le bien joué. C'est bien joué. Oh, Gallego. Ils sont admirables, ces Nîmois. Ils sont fantastiques. Mais c'est parti, Luke Steins, dans le duel. C'est fermé par eux, c'est libéré que. C'est remarquablement l'arrêt. Incroyable. C'est un ballon pour passer en tête. Avec Alexandre Demaille, qui a été battu sur ses premiers instants, après avoir remplacé Jože Bažník. C'est fou.
si Paris venait à perdre, alors Nantes ne serait plus qu'à un point en embuscade. Le début d'attaque limoise, la mise en place. Attention, il n'y a personne, il n'y a pas possibilité de jouer. Voilà, le bras qui se lève tout de suite. Qui se lève tout de suite. C'est parti. C'est parti. Oh, qui est pris sur le bras. Le jeu de 7 mètres. Obtenu par Jesper Konradsson sur l'intervention d'Elohim Prandi sur le bras du Suédois qui était passé dans l'intervalle. Mais quel match de titan de Jesper Konradsson. Quelle énorme sensation. Guéric Vincent. Il n'y a personne à la récupération. Ayani Gret. Guéric Vincent. Guéric Vincent. Luc Steins. Tony Sen. Steins. Les Parisiens doivent marquer rapidement avec Tonessen, la passe pour Balaguer et le but inscrit. La première partie est faite. 17 secondes, les Nîmois qui ont le coup à jouer, qui ont la balle du match entre les mains avec Allegro qui cherche la faute, avec Konradsson, ça va être trop loin. Les Nîmois l'ont fait, incroyable sensation. Formidable après-midi des Gardois qui se relancent totalement dans la course à l'Europe. Un coup de tonnerre s'est abattu sur le championnat de France avec les Nantais qui peuvent se remettre à croire à un impensable titre éventuel en fin de championnat. Oui, c'est ça, on a perdu notre dernier joker. Forcément, c'est frustrant parce que c'était un match à domicile. On avait envie de bien finir devant notre public. Malheureusement, on n'a pas été capable. Je pense qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs et on n'a pas su gérer ce match et se mettre à l'abri quand il fallait. Et derrière, face à une équipe de Nîmes qui a joué crânement sa chance, ben, c'était un jour sans et c'est pas passé. Donc voilà, il faut essayer d'oublier, reste deux matchs. C'est difficile, il faut essayer de finir la saison de la meilleure des façons. On a encore notre destin en main. Maintenant, il va falloir faire deux grands matchs. Et dès la semaine prochaine à Créteil, on sait que ça va être difficile. Surtout en ce moment, mais il faut rester soudé, rester solidaire et continuer d'avancer, de travailler et essayer d'aller chercher ce titre de champion. Ouais, franchement, je pense que là, soir, tout sous le lulu, les gars. Lucho pour l'analyse, bravo les garçons, bravo. Là pour analysez-moi cette formidable après-midi. Écoute, j'ai pas les mots. Je sais pas les mots, mais on a des blessés. On fait une saison compliquée. Et venir gagner avec peu de joueurs, avec peu de rotation, en se battant comme des chiens, comme on sait le faire. On l'avait perdu pendant la saison, mais on l'a retrouvé, je pense, au bon moment. Non, on a fait en sorte de pas perdre le match au début, parce que à chaque fois qu'on vient ici, ils essayent de jouer les montées de balle très rapidement, et du coup, ben, on prend l'écart au début et on n'arrive pas à revenir. Donc on a replié, on a mis l'engagement qu'il fallait en défense. Il y a les gardiens qui ont fait les arrêts au bon moment aussi. Et on a mis les buts qu'il fallait, et la chance était de notre côté ce soir.